Salut à tous, c'est Baisanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite. J'ai pas mal de choses à vous montrer, vachement intéressantes, comme par exemple le pass de combat de la prochaine saison qui vient dès qu'à l'instant via Xbox. Souvent ils font des erreurs, là du coup à 2 jours de la nouvelle saison, le pass de combat a leak. Et demain l'événement du coup final de la saison OG, ça sera à 20h, on sera en live sur Kick, donc n'hésitez pas à venir follow la chaîne, je vous mets le lien dans la description. Gros événement attendu par la communauté, on verra du coup l'intervention d'Eminem pendant l'événement. Ça sera pas un concert comme on a connu avec Travis Scott ou Marshmello, mais normalement il devrait avoir un truc à jouer. Et du coup je vais vous montrer les skins du pass de combat de la prochaine saison. Il y a 2 collabs, vous allez voir, elles sont pas si mal. Et on a aussi du coup des skins qu'on avait déjà vu dans les enquêtes qui avaient été envoyées aux joueurs. Là on sait, c'est sûr à 100% qu'ils seront dans le pass de combat. En tout cas j'espère que les skins vont vous plaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite. Et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code Baisanka à la boutique, ça fait super plaisir. Donc du coup, le pass de combat de la prochaine saison, donc saison 1 du chapitre 5, vient de leak, là il y a quelques minutes, à quelques jours de la nouvelle saison. Ça arrive souvent sur les plateformes comme la Nintendo Switch, la Xbox, etc. Donc je vous mets ici l'image à l'écran, désolé pour la qualité, elle n'est pas au top, mais on arrive à reconnaître les skins qu'on aura dans le pass de combat. Donc je vous mets la première image ici, donc là elle est un peu pixelisée, on a la deuxième un peu plus éloignée qui est ici, mais un peu mieux détaillée entre guillemets. On peut reconnaître directement 2 collabs, le skin Peter Griffin qui est ici, lui aussi ça fait un moment qu'on l'avait trouvé, pas dans les dossiers du jeu, mais on savait qu'il y avait une collab qui allait arriver, et le skin Snake du coup qui est là-haut sur la voiture. Lui aussi, un moyen qui... En vrai, je sais même pas si c'est une voiture, en fait. Il est sur... Je sais pas sur quoi il est posé. Ouais, une voiture, hein, je sais pas. Vrai, mais en tout cas, le skin Snake qui est ici, lui, il y a moyen qu'il y ait des variantes stylées pour ce skin. Ensuite, les 4 autres personnages, enfin, il y en a 5 qui sont autour de lui. Il y en a 4 qu'on a déjà vu dans les enquêtes qui sont envoyées aux joueurs. On a tout d'abord, tout à droite, le tigre qui est ici. Lui aussi, il a l'air vachement stylé. J'espère avoir pas mal de variantes pour ce skin, histoire de pouvoir le modifier et tout ça. On a ensuite ce skin-là, un peu une joueuse d'escrime, qui n'est pas dégueulasse non plus, avoir le rendu vraiment in-game. Pareil, voir les variantes qui sont disponibles, planeur, pioche et tout ça. Ensuite, on a ce skin masculin qui est ici, qui n'est pas dégueulasse non plus. Et on finit du coup avec ce skin féminin, pareil, un peu classique, on va dire entre guillemets, qui est pas dégueulasse, pareil, j'espère avoir pas mal de variantes pour les skins que je viens de vous montrer. Et tout devant, avec une arme dans les mains, on reconnaît le visage de Jonessy. Apparemment, ça sera Jonessy Underground. Lui aussi, il a l'air pas mal. En tout cas, rien que là, avec la veste et tout, je pense qu'en plus, il aura beaucoup de variantes. Je pense que ça sera sûrement un des skins, soit du palier 1, soit du palier 100, si on va jusqu'à 100 paliers, du coup, dans la prochaine saison. Mais vrai, il y a moyen qu'il envoie du lourd. Franchement ça va, c'est un petit pass de combat pas dégueulasse pour la saison 1 du chapitre 5. N'hésitez pas à me faire un petit top 3 des skins que je viens de vous montrer. Si jamais je devais faire un petit top 3, je mettrais en premier le skin Snake, ensuite Jonessy Underground, et ensuite le tigre qui a l'air quand même assez badass. En tout cas, le pass de combat à leak, deux jours avant la sortie de la nouvelle saison, fallait s'y attendre. J'espère qu'aujourd'hui on va avoir des teasers, soit pour l'événement, soit pour la nouvelle saison. Ça va peut-être temps d'en balancer et des vrais. Pas comme celui qu'on a eu il y a quelques jours, qui ça fait toujours plaisir d'avoir un petit teaser, mais j'avoue que celui-ci n'a pas vraiment servi à grand chose. Là j'aimerais bien les teasers à l'ancienne, où sur les images on voit un petit bout d'arme, un petit bout de planeur, un petit bout de nouveauté qu'il y aura dans la nouvelle saison. Et voilà, du coup on arrive à la fin de la vidéo, c'était rapide, mais je voulais vous montrer le leak du prochain pass de combat pour la saison 1 du chapitre 5. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire quel skin vous avez préféré dans ce qu'on a vu du coup sur le leak de chez Xbox. Je vous rappelle encore une fois qu'on sera en live sur la chaîne Kick pour l'événement. Donc demain, je lancerai le live dans l'après-midi, on fera l'événement ensemble, et dans la soirée, on va voir ce qui se passera. Et puis voilà, du coup, moi je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite. Je vous dis à tous, bon game, et ciao tout le monde.